Salut les jumeaux, c'est Cotien, ça va quoi? Eh oui, aujourd'hui on se retrouve à Rome, comme vous l'avez vu, il y a juste derrière moi le Coliseum. On va faire, comme je vous l'ai dit, le 3 contre 3 maintenant. Aujourd'hui, on est là pour le 3 contre 3. Est-ce que t'es chaud? Parce que tu joueras pas au but. Hein. Franchement, je suis toujours chaud. Il me fallait plus un, mais deux joueurs. Et le joueur que de toute façon j'allais ramener, quoi qu'il arrive, c'était Mehdi. On peut l'applaudir, Mehdi. Mehdi, il a l'expérience du 3 contre 3. Pourquoi? Parce qu'on a joué plusieurs 3 contre 3. Il faut le dire à la youtubeuse. Champion de France de 3 contre 3. Et oui, et oui. Avant, j'organisais le championnat de France de 3 contre 3. Et Mehdi était le champion de France avec son équipe d'Argenteuil de 3 contre 3. Et franchement, il nous avait cassé les reins. J'avoue, j'avais joué, j'avais perdu en demi-finale. J'avais le seum. T'étais blessé, c'était blessé. Ouais, il nous manque un troisième joueur. Enfin, un quatrième. Moi, on ne compte pas. Parce qu'on sait jamais si je vais jouer. À votre avis, c'est qui? Vous le dites là tout de suite dans le live. Vous savez pas? Bah, on va découvrir en quelques instants. En tout cas, en attendant, on va découvrir le Colisée. On va aussi découvrir les teams. Comme vous avez vu, il y a les Belgiques, il y a les Hollandais. Il y a des Danois, il y a les Latviens, je sais pas comment on dit Latvien. Alors là, Raptor. On y va, viens, on y va. Là, on va chiller un petit peu. Et puis c'est parti. If you not make me, I pay 100 euros. If I not make you, you give me one. I give you one? Yes. Yes. Okay, ready? Okay. Go. Don't wait. Yeah. Oh, thank you. Bon, maintenant le concept de la vidéo, c'est chaque photo, je leur mets un petit bon. Ok? Et à chaque fois que je mets pas le petit bon, bah la youtubeuse veut décider du gage. C'était ça la play. Je le savais, je savais qu'il allait faire la play. La vérité, je savais qu'il allait faire quelque chose. Non mais ça va, il... Tiens, il marche trop bizarrement, les gars. Là, il y a un petit trou, soit ça peut passer. C'est qui le mieux là, tu penses? C'est qui le mieux? Vas-y! Magnifique! Magnifique! C'est une bête de ville, il y a de la musique, il y a des street shows, il y a des gens comme ça, ça va ou quoi? Hey, comment ça va? Ça va bien, tranquillement? Très bien. Très bien, where are you from? Spain, Madrid. Ah, Spain, Madrid, à la Madrid. Il a surgi de nulle part. Il est là. C'est lui. Et oui, la youtubeuse. Vous avez voté pour lui. Il est enfin arrivé. Regardez, il fait nuit. Il est là. Je pense que c'est le moment de finir la soirée. Derrière un beau paysage romain avec mon ami du Danemark. Pour savoir que cette équipe du Danemark, on ne l'a jamais battue en 3 contre 3. Je sais qu'on va les rencontrer demain.
Et du coup, donnez-nous la force à YouTubeance. Pour les battre demain, on va les battre. C'est sûr et certain, on est prêt. Là, je pense que je suis archi fatigué. Il est fatigué, let's go. On est où? En Italie. On est où? En Italie. On va faire quoi? Gagner. Allez, c'est un big game là. Il fait un peu chaud, mais c'est pas une excuse. Bon, petit échauffement tranquille, hein, parce qu'il reste 2 minutes avant notre match, là, c'est chaud. On va commencer le match pour voir. Et c'est donc JMK, Mehdi et Sehan sur le terrain. Aliou va rentrer en mode la surprise, ne vous inquiétez pas. Ok les gars, bon, on a mal commencé. Là ils nous attendent tranquille. On a 2-1, c'est tranquille, il reste 5 minutes, on a tout le time. On part avec on part pareil qu'on a mis là des habitants. Et franchement, mettez le pied, allez c'est dedans. Vas-y, on y va. Ma proprio si trova anche vicino, anche la porta. Finisce qui, e infatti, eccolo qui. Bon les gars, fin du premier match. Franchement, sur lui, on a gagné.
placement offensivement, surtout dans l'esprit, aussi dans le positionnement. Et tout on a les quatre défensivement, on était à l'ouest. Mais là, c'est dans l'arrière, ils ne triplent pas. Pourquoi nous dribbler ? Quand on l'a fait, ça c'est tout. Pas, voilà, c'est tout. Nous, on a pas peur. On va y aller, on va dribbler, on va pas passer. C'est tout. Et on l'empêche de tirer parce qu'on sait qu'il y a Carter sur les cales qui protège. On va, il fait ce qu'il veut, il passe pas. Voilà, c'est bon. Vous avez vu, hein, la passe, il faut être attentif parce que je peux vous trouver n'importe où. Vraiment, ça, il faut en saisir, ok ? Et si j'ai un plan, on joue derrière, on switch, tu l'as vu, ça marchait bien quand moi je passe à ta place, tu passes à ta place. C'est cool. Franchement, c'est plus dur. C'est mieux de gagner un match dur que de gagner 5-0 le premier match. Au moins, on est dedans. Chaque fois, j'ai ça va faire. Ok, c'est la mi-temps. 1-0 pour la Latvia. Frappe dans l'axe, j'ai pas le but l'arrêter. Je laisse ma place à JMK, il va apporter un peu plus de police. On va voir si ça t'arrête. Bien joué JMK, bien joué. On a 5 minutes pour marquer. It's never cap, you should know that. All I know, 10 toes, never fold. Bang roll, on the go. Ice wall. Came for my win, I need my aim. C'est chaud de ouf là. Là vous allez nous tuer avec les pouces rouges là, c'est sûr. On est cuit là. On va se faire une petite pause, on va cutter. On va se laisser 5 secondes dans la vidéo, ça va être un écran noir. Et quand on va revenir, on va être décalé. Oh.
Vas-y dégage. Là, c'est crucial. Encore une fois, on est au mur. Si ça perd, on est éliminé. Ok, dernier match à Hollande. Les frères ennemis, toujours je suis contre la Hollande. À chaque fois, c'est difficile, je perds, j'en ai marre de perdre contre la Hollande. Les gars, je compte sur vous. Là, soyons des guerriers, soyons des mecs intelligents, marquons des buts et surtout défendons en force, c'est plus important. Okay, les gars, on est où? Italie, on est où? Italie.
Boum, on est de retour à Paris, enfin plutôt à Dubaï. Franchement, l'expérience était lourde malgré qu'on ne s'est pas qualifié. Dites-moi si vous avez kiffé le fait que j'emmène des urban ballers ou des street footballers affronter certains des meilleurs joueurs du monde de street et surtout à participer à ce genre de tournoi. D'ailleurs, la chaîne Coachienne est à propos de ça et à propos du fait que j'accompagne des jeunes pousses, des talents à diverses expériences et divers tournois comme ceci. Donc si t'es pas abonné, abonne-toi à la chaîne Coachienne en cliquant sur le Coachienne qui va apparaître quelque part dans l'écran avant la fin de cette vidéo. Active bien sûr la cloche de notification pour être sûr de rien louper de toutes les vidéos. Et ce n'était pas la première fois que j'organisais un genre de détection de tournoi comme ça. On avait essayé de participer au tournoi de Neymar Fall, j'ai organisé des détections, on était à Paris, à Marseille. C'était un truc de ouf, la série est juste là, clique, tu vas regarder, il y a 7 épisodes, c'est un truc de ouf. Mets un pouce bleu si tu kiffes ce genre de concept, dis-moi en commentaire qui a été le plus chaud pendant ce tournoi. Je vous rappelle que les Urban Balls sont en livraison gratuite dans toute la France, ainsi que les suites en moins 20% pendant le mois de mai. Je vous dis à la prochaine vidéo en vous disant à la prochaine séance. Bye.